se trouvant sur le haut de la montagne. Seulement 1000 sont payés. Seulement 1000 sont payés.
don't understand what's going on here. Coucou les copains! Ah, ça fait moins peur d'un coup! Comment ça va? Comment ça va, Arterius, Hoffman? Y'a qui d'autre qui a parlé? Et bien, RFS aussi, comment ça va les mecs? Et tous les autres qui n'ont pas parlé? En ce magnifique vendredi, mal. C'est tout ce que je voulais que tu ressentes, c'est génial. Attends, tais-toi un peu, voilà. Ah. Fatigué, et bien, je te comprends, moi aussi, je suis cassé de fou. Dans ta gueule, je vais remettre des tracks made in la Megaforge. Voilà, tais-toi un peu. Non. Là, voilà. Ah, j'ai fait... hop, attends ta gueule, voilà. J'ai fait mes exercices de muscu que je m'étais prévu et sa mère, je me suis détruit aujourd'hui, je suis cassé. J'arrive pas à retrouver un LP dans Xenon, un mec que j'aime bien, parce qu'une certaine personne m'a épé pour rien. Tout de suite, eh ben vas-y, mais t'avais qu'à donner des mimes. J'avais plus de mimes en stock, voilà, je sais pas comment me chercher des mimes, et j'ai trouvé ça et c'était marrant, et j'ai dit oui, je vais mettre celui-là. Après, j'en fais oui, j'ai envie de jouer à Dragon Dogma. Non, et j'en ai cherché, ça m'a cassé les couilles. Du coup, j'ai juste été sur V, tu vois. J'ai cherché des reaction face viteuf. Enfin, des reaction pics viteuf, tu vois. J'ai vu celui-là qui était gueulé. Il fait allez, banco. Bah, les couilles, j'ai pas envie de chercher. J'ai pris un vie même lore. Non, je suis un meme prince. Je suis redescendu un petit peu en bas. Je te retire tes cartes. Ah non, alors par contre, non, je garde la carte devant moi. Eh oh. Eh, je suis le fondateur. D'où tu tues le maître? Sinon ça va. Eh bien tant mieux. Bon. Hop, tais-toi un petit peu. Mets-nous le jeu vidéo s'il te plaît. Boum, c'est parfait. Double perfection. Triple, quadruple. Hop, c'est bon. Parfait. Merde, je vois pas ce que vous disiez ici. Voilà. Hop. Hop, bon. Bon. Si. Juste vous rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, où on en était, avant de continuer. Parce que je suis pas une pute. Du coup, on a découvert le vrai qui c'était le vrai méchant. C'était le mec qui nous aidait depuis le début. Voilà, petit retournement de situation. Nikola Tesla est gentil, nous a sauvés. Et bien à partir de là, on doit le rejoindre. Et j'en sais pas plus, j'en sais pas trop plus, voilà. Bah pour l'instant, c'est juste un bon jeu, quoi. Je me suis bien amusé, c'était cool. Il reste 3 chapitres, je crois. Normalement, en 1h30, ça va être bouclé. J'espère. Inch'Allah. Et pas plus, mais j'étais pas là du tout au début, par contre. Ouais, bah non, mais... En gros, il y a notre sœur qui est... Donc, il y a notre sœur qui était sur le bateau spécial de Nikola Tesla, qui l'a construit, genre... Hey, j'ai envie de partir du monde et partir avec des scientifiques et juste construire de la merde et vivre en paix. Et on a reçu une lettre de notre sœur, du coup, qui nous a dit de venir très très vite, ce qu'on a fait. Et on s'est rendu compte que quand on est venu, bah, c'était la merde. Qu'ils ont fait des expériences et qu'ils ont niqué les timelines et qu'il y a des monstres qui sortent de la timeline, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est plus ou moins ça. Allez, enfin, j'espère que ça va pas tout niquer dans la sauvegarde. Ouais, c'est ça, c'est la merde, il y a Nikola Tesla dans le tas, quoi. Qui est super gentil. Voilà. C'est clair du coup, ah bah, tu m'envoies fort, fort heureux. D'ailleurs, avant de commencer à jouer, je me suis acheté un petit Yop noix de coco, offre découverte, je n'ai jamais goûté.
Ah. Ouverture. Ici, nous sommes très larges. Oui, les fleurs de Perséphone. Oui. Laisse-moi goûter. Ah bon, on était au 8 pour 7. Laisse-moi goûter devant tout le monde comment c'est le parfum coco. Sans. Test sentir. Ah, de toute façon, la noix de coco. Hein. Test goûtage maintenant. Putain, on dirait du lait de coco, mais en meilleur. Ah, ça déchire, moi. Ok, c'est un plus. Ok, c'est bon, on est bon. Yop, coco, c'est parti. Coucou, Dwelly. Comment ça va? Et fatigué. Je suis claqué. Et toi, comment vas-tu? Le Yop citron, c'est pas mon préféré, au fun. Moi, mon préféré, c'est le framboise, tu vois. Mon ray. Est-ce que le son, il est bon? Peut-être un peu faible. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Peut-être me taire un peu, du coup. Ah, on n'est pas là pour ça, je sais, mais... Ou alors vous lisez, tiens. C'est bien, ça. Vous savez lire? Non, il n'y a pas vraiment de contamination, c'est juste des gens blessés, là. Au milieu d'un week-end de 4 jours, je suis en fait, putain. Grave bien. Non, mais là, mec, j'ai fait 40 minutes... 40 minutes à 1 heure de sport aujourd'hui, tu vois. Avec le petit programme que je me suis mis en place. Donc demain je ne bouge plus, genre mes jambes seront hors d'état de nuire, genre vraiment KIA comme on dit dans le métier. J'avais chaud avant de prendre une douche, j'ai chaud après avoir pris une douche. Voilà. Là je suis en calbut, j'ai mon plaid, je suis presque bouillant. Et j'ai envie de mourir. Et j'ai mal partout. Du haut du corps au bas du corps. Tu vas être beaucoup trop... Non, j'aimerais bien, mais... Ouais, non, c'est que dur, j'ai pas mal, tu vois, c'est juste que... En gros, je me suis fait un petit programme, tu vois, et aujourd'hui, je l'ai testé. Sauf que le programme, je l'ai surboosté, tu vois, j'ai pas mis non plus 40 millions, tu vois, mais j'ai mis un peu plus. Ouais, voilà, j'ai décrassé la machine. Et je l'ai bien décrassé la machine. Bon, du coup, j'ai réduit un petit peu les doses pour la semaine prochaine, mais... Mais elle est pas blessée, là, elle est morte. Ah, c'est cracra. Elle est dégueu. Non, j'ai un vrai programme. Hein. Je peux vous le filer si vous voulez vous mettre au sport. Vu que je suis un gros cul, normalement, ça devrait être adaptable pour tout le monde, tu vois. C'est sûr... Non, pas adaptable pour tout le monde. À faire si t'es pauvre. Voilà. Parce que c'est que des trucs que je peux faire chez WOM. T'inquiète, j'apprends aussi, j'ai dit ah non mais là. Ouais, donc du coup, juste pour le son du jeu, je peux pas trop l'augmenter parce que. Attends, je vais quand même un peu l'augmenter. Mais s'il y a des gens qui parlent dans l'oreillette du personnage, on va plus m'entendre parler tellement ça a été mal réglé. Je me mets ça à 4. Mais plus ça devait pour la prise. Ah bah là c'est même pas la reprise, tu vois, parce que je fais un peu de sport, enfin je fais un peu de sport depuis quelques mois, tu vois, mais c'est genre les pompes dans la journée, un petit peu de squat, tu vois, pas énormément. C'est quoi, c'est du soulevage de poids, enfin c'est juste un petit peu de forme, tu vois. Là c'est vraiment du sport, quoi. Là c'est du vrai, c'est le vrai, là. Sauf que le vrai ça fait popo. Mais du coup, tu vois, si tu veux En plus, c'est le programme que je me suis fait, tu vois, c'est j'ai juste fait la semaine. J'ai pas encore mis par jour, tu vois, ce que je ferai la semaine prochaine. Du coup, c'est vraiment un jour test aujourd'hui. Du coup, c'est concluant, je suis content, ça marche. Ah, pareil, si ceux qui veulent lire les dialogues sur le YouTube ou quoi, voilà, tu fais pause sur la vidéo ou sur le stream et tu lis, parce que je ne lirai pas. Même si tu fais pas grand chose, c'est déjà un moment, hein, ça le fait de faire bosser. Ah ouais, non, mais tu verras, hein, si tu veux. En vrai, j'ai pris des bras, j'ai pris des épaules, j'ai pris un petit peu du dos, je crois. Non, ça fait plaisir quand même, ça fait du bien, tu vois. Ouais, non, dès le matin, tu vois, je me lève, c'est 25 pompes. Dans la journée, c'est 60 pompes, c'est quoi, c'est du soulevage d'haltère pendant 10-15 minutes, je dirais. De manière différente, hein, bien entendu. C'est quoi? C'est des squats aussi? That's a surgery room. Ah. Hey. Ouais, on discute muscu, ça fait pas peur, mais bon. Hey. Après, je conseille de faire un jour sur deux. Non, mais Scad, t'inquiète, ouais, c'est ce que...
C'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai... Ah ouais. Ah mais c'est là où ma soeur elle est morte. Et elle... Ah mais oui. On n'entend rien. Soixante pompes, j'aurais même pas... Oui, non, pas d'un coup. Je fais... C'est... Soit je fais... pour l'instant, le maximum que je puisse faire d'un coup, c'est 40 pompes. Je peux pas faire plus. Vraiment, je peux pas faire plus. J'ai vraiment essayé, je peux pas faire plus. Non, je fais des séries, tu vois, genre série de 30. Deux séries de 30, tu vois. Mais ouais, tu fais petit à petit, hein, ça suffit. Pas besoin de faire 10 milliards d'un coup, tu vois. Mais non, mais là, le programme que j'ai fait, tu vois, je vais sûrement faire lundi jambe, repos, mercredi, haut du corps, repos, vendredi, shadowboxing, et c'est tout. Et après, j'ai pas encore la corde à sauter que je vous rajouter, mais ça, faudra que je m'achète. Hop, je me suis renseigné un petit peu, tu vois, et c'est hyper, hyper bien le shadowboxing pour... C'est pour ça que je fais un jour de shadowboxing, parce que... Enfin, que je ferai, parce que ça fait bosser tout le corps, et puis plein d'autres trucs, quoi, c'est super intéressant. Bon, ça s'est fermé. J'aime beaucoup la musique. Ouais, faut savoir respecter ses limites, clairement. Hein. Dès que... Si ça... Tu vois, faut que ça brûle, mais faut pas que ça brûle trop. Si ça brûle trop, c'est mauvais, tu vois. Je vais te faire un enchangle pour le coup. C'est de la boxe, mais tout seul. Je me sers de mon banc de muscu comme sac de frappe avec des gants de pas trop épais. Ah non, moi j'ai pas. Moi. Ah, ça sera vraiment dans le vide quoi. Mais bon, bah les couilles. J'ai eu des sacs quand j'étais à D4 et ça fait envie. Ah non, mais. Clairement, hein, si je pouvais, je m'en achèterais, tu vois, sac de frappe et tout. Hein. Mais bon. Déjà, il faut que je m'achète une petite corde à sauter. Ah, petit message. T'es sûr. Passé, présent et futur. Tout fait partie d'une même trame. Là, j'ai besoin d'être collé par nos soins. C'est pas un super haïku quand même, hein. T'es pas fort. Hein. Tu n'es pas fortiche. Ah ouais, la corde à sauter, ça, t'inquiète. Ça fait, ça chauffe, ouais, ouais je sais. J'en faisais quand j'étais chez ma mère encore et. Pff, oh là là, comment je me démontais. Mais pour ceux qui veulent savoir en précision, je fais genre 60. Enfin là, aujourd'hui, je fais 60. Attends, c'est quoi les calculs? Attends, je suis nul. Ouais, j'ai fait 75 squats, j'ai fait 20 deadlift, j'ai fait 30 soulevés des... Enfin, merde. 15 x 2 pour les épaules, 15 x 2 pour les pecs. Et du coup j'ai pas fait le shadowboxing parce que j'étais mort. Et les abdos, et pour les abdos je fais du... attends, comment il s'appelle ça? Attends, parce que ouais, en fait les abdos je les fais mal. J'arrive pas à bien les faire, tu vois. Genre j'aimerais bien les faire, tu vois, mais je me nique un peu trop la nuque en fait. Et j'en fais très très peu. J'en fais mais très très peu. Pour les abdos du coup je fais du leg raise. J'en fais à peu près une vingtaine. Ça, du coup ça brûle, enfin c'est surtout pour perdre le bide, tu vois, et bosser les abdos, l'abdos du bas. Après pour les côtés je fais des flexions, tu vois, pour perdre la graisse sur le côté, tu vois, la bidoche. Et après bah c'est tout. Ah si, après je finis par quand même par de la planche, par 30 secondes à 1 minute 30 de planche par rapport aux exercices. Mais du coup, je pense que ça, réparti, tu vois, dans la semaine, parce qu'en une seule fois, c'est pas possible, je suis pas une machine, mais réparti sur la semaine, tu vois, je pense que ça peut faire des trucs, tu vois, ça peut faire déjà un petit... Si je peux perdre ma bidoche, tu vois, la rétrécir, je suis content. Enfin, j'en ai perdu, hein, de la bidoche, mais si je pouvais encore plus la perdre... C'est vrai que là, il y a la fin du jeu, et moi, je dis de la merde. Mais ouais, si, c'est magnifique, hein, j'aime beaucoup, c'est très très beau. Ouais, j'aime bien. Mais ouais, si je peux perdre la bidoche, tu vois, je suis content, tu vois. Et puis si, aussi pour les bras, je fais, du coup, je mets tous les poids que j'ai, enfin presque tout, vu que je vais aller en évolution. Mais genre là, j'ai un poids, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai un poids à 11 kg, et je fais 5 reps
chaque bras, tu vois, juste pour faire bosser les bras avec le maximum, tu vois. Je peux pas bosser pour faire vendre ma grâce, genre par procuration. Ah, mais j'aimerais bien, mais attends, oh, déjà moi c'est dur. L'espoir déjà c'est de commencer par vendre ma grâce, surtout sur la bouffe web. Bah, c'est ça aussi, tu vois, que ça coûte un peu cher parce que j'aimerais bien prendre de la masse aussi, surtout au niveau des bras. Vous, c'est ce que je fais, hein. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu, tu vois, parce que j'augmente mon rapport calorique. En mangeant proprement. Et c'est bien. And when did I carry you here? So many questions. What? Still, I will keep my promise. I will get your research back. Attends, parce qu'on discute, mais. Hopefully, they hold the answers. Non, je prends. Non, j'ai pas d'argent, mais je vais pas acheter des protéines. How are your wounds? I'm afraid I'm not much of a doctor, but I did what I could. Tu vois, ça c'est hyper fort. Normalement, vous devez presque pas m'entendre là. Sauf que si je baisse à deux, mais quand le perso il parle tout seul, moi on l'entend plus. Ah, c'est mal fait. What do you mean Ada is counting on me? Ada is gone. Enfin elle est là quoi. Oui. But she isn't gone. Her research into multiple time dimensions and exposure to the rift has changed things. Irreversibly so. She has triggered an event cascade that even I am trying to fully comprehend. But her research holds the keys to everything. Ah, tu m'as niqué les oreilles, enculé. Oh là 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 là, oh ça a l'air magnifique. Attends, du coup, juste viteuf, les timelines sont en train de se mélanger. Le passé, le présent et le futur sont niqués, c'est ça? Ok, tu notes. Renard, tu m'as motivé, je vais sortir mon bokken et m'entraîner. C'est quoi un bokken? De quoi parles-tu? Quel est cet outil de gaijin? Non, du coup, c'est l'inverse. Je ne connais pas. Ouais, bah forcément, Game Talik, t'étais pas là au début, mais si tu regardes la rediff, Inch'Allah, vers le premier niveau, tu verras, on voit toutes les inventions qu'ils ont créées dans le bateau. Et ouais, non, ils font un peu ce qu'ils veulent avec la science. D'ailleurs, on voit qu'il y a... Einstein qui est passé sur le bateau faire ses petites recherches au calme. Sabre en bois. Ah d'accord. Ah ouais, le sabre en bois, ouais, carrément, ça te fait bosser le sabre. À mettre des coups dans le vide, t'inquiète, au bout d'un moment, les bras, le dos, ça tape. C'est tout le corps aussi. Ouais, après ça dépend comment tu entraînes. Ouais. Je ne suis pas un prof de sport. C'est écrit à l'activité, c'est que t'y mettre, il faut passer par la phase où tu douilles dans ton corps. Non. Pas vraiment, Noli, hein. Ah, c'est piqué. Genre, moi, ça fait quelques mois que je fais juste le strict minimum. Enfin, le strict minimum. Juste ce que je peux faire. C'est magnifique, hein, vraiment. J'adore le design, hein. Juste faire des pompes, des squats, quelques flexions et tout. Franchement, avec une musique... Enfin, tes tracks derrière, ça va. Ou alors, c'est moi qui ai énormément de courage. Pourquoi ça fait blub blub? Il y a des potions qui cuisent. Mon chaudron! Où est mon chaudron? Oh. Madame? Vous n'allez prendre pas très très bien. Juste les couverts, le banc, ouais, ça te fait savoir. Ouais, bah carrément, j'imagine qu'après une demi-heure, tu dois plus être très très bien. Ah, là-bas. Personne dans la muscu. La musique! C'est pas mal, j'ai l'impression que je vais le truc dans le vide. Non, si ça fait. C'est pas si ça fait pas mal. Si tu ressens rien, c'est que tu le fais mal. Et si tu ressens trop, c'est que tu le fais mal aussi. Before egg treatment, after egg treatment. Ok, mais je veux ça dans ma vie. Est-ce que c'est une critique des OGM? Est-ce que c'est une subtile critique des OGM? J'adore le poster en tout cas. Je veux ça de W ou celui d'Hoffman, donc entre le début et la volonté de continuer et de manger léger. Non, c'est pas ça, Game Talik, manger léger, hein. Non, attends, petite discussion. Si vous voulez vraiment perdre du poids et juste entretenir votre corps, faut pas manger léger. Faut juste manger comme d'hab, mais moins. Et moins gras et moins sucré, c'est tout. C'est pas une science infuse, hein. Enfin, si, justement. Où des cerveaux? Blablabla. Éclat de synapse! Mangez pas comme. Ouais, non. Si tu veux perdre du poids, faut arrêter de manger sucré et trop salé. Et juste manger
réduire tes portions, mais pas énormément, tu vois. Genre, tu manges juste un peu moins. Et t'inquiète, hein, ça a tout de suite marché. Même juste manger normalement, correctement, juste en enlevant le sucré et le trop de salé, et pff, ça fait déjà de taf. Bref, j'ai attrapé le gros, donc je fais des pompes, et comme j'ai pris du poids, je galère plus qu'avant. Ah, bah ça... Attends, j'en ai... Ça, c'est dur, hein, attraper le gros, c'est... Ouais, non, non. Manger des kebabs à longueur de journée, ça fait jamais du bien. Par quoi, là-bas, on a une sensation de mon oreille. D'accord. Ok. Pendant de manger d'arbre, je me suis fait une salade aujourd'hui, mon corps, il a pas kiffé. Ah, non, mais c'est ça, tu vois. Genre, moi, aujourd'hui, je me suis fait une petite salade de pommes de terre, lardon, oignon, fromage... Tu vois, c'est pas mauvais, c'est calorique, mais c'est pas c'est du bon, tu vois, avec ce que j'ai brûlé, ça va, tu vois. Mais genre, si tu veux faire une sèche, tu vois, ça c'est info sûre, hein. Je parle en connaissance de cause, vu que ma mère a été dans le métier. Quand je dis dans le métier, elle a fait bodybuildeuse. Du coup, t'inquiète, elle était dans le métier. Ouf, ouais, faire le tour, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on discute, mais je ne sais pas où vous allez. Si tu veux faire une sèche tout en mangeant bien, tu vas aller m'acheter du riz, des pâtes et plein de légumes. Du coup, tu vas me faire... genre ta mère, t'as dit, ouais, ma mère était bodybuildeuse. Ouais. Pas professionnelle, mais elle aurait pu faire bodybuildeuse professionnelle ouais, quand elle était un peu plus jeune, genre à la trentaine. Elle avait un vrai coach sportif et tout, non, c'est pour ça que ça m'a envie de faire du sport, tu vois, quand je pense à ça, je dis vas-y, c'est lourd, tu vois, c'était con, en plus, tu vois, des fois j'allais à la salle avec elle, tu vois, c'était trop bien. Par contre, ça fait un peu peur. J'ai mon collègue qui fait une sèche et galère, mais c'est pas galère de faire une sèche d'Oli, hein. Parce que faire une sèche, c'est bien manger, enfin c'est, faut bien manger et juste... Enfin, faut pas penser que moins manger, tu vas sécher plus vite. Non, faut juste bien manger. Et c'est tout. Genre, si tu manges que du riz, bon, je vais prendre l'extrême, hein, d'Oli, parce que moi, c'est ce que ma mère, elle faisait, tu vois. Genre, elle fait riz thon, pas salé, pas poivré, pas de sauce. Tu peux en manger beaucoup, tu vois. C'est bon. Tu peux en manger 1,5 kg, ça a rien changé. T'as pas besoin de réduire. Forcément ton apport calorique, t'as juste besoin de manger des trucs qui sont... Mais marche, non? Après ça dépend si c'est une grosse sèche ou pas, mais je crois que t'as une ligne à faire. Ouais, bah j'imagine. Ouais. Ouais, il y a Extrosé qui marche pas. Ok. Non, faut que j'allume un truc avec le temps. Attends, je vais attendre que ça s'éteigne, je vais recommencer. Après là, ouais, après ça dépend de l'âge, c'est certain. Ouais, moi je peux me permettre, tu vois. C'est sûr que quand tu commences à avoir un petit peu plus 35, là, ça commence à faire un peu mal, quoi. Mais non, si des gens ici veulent faire une sèche et sont assez jeunes encore, t'as juste à aller acheter du riz. Allez, on va faire riz, poivron, maïs. Oh non, c'est la merde. Oh les gars, c'est la merde. Putain, c'est la merde. Ok. Je vais me faire poursuivre, c'est la merde. Oh, ça m'a fait peur. Donc là, je peux me faire attaquer par des gros monstres. C'est tout sauf bien. Je suis tout sauf bien. Dès que la musique va kick-in, je fuis. Hein. Mais là, à cause de cas des sèches, il en a fait. Mais là, il approche la trentaine. Donc, bah carrément. Mais ouais, une bonne sèche, c'est salade de pâtes, salade de riz et salade de pommes de terre. Voilà, c'est tout. Genre. Ouais, une petite salade de pâtes que j'aime bien, c'est pâtes, merde, pâtes, gésier, emmental, merde, je me souviens plus, putain, j'ai plus en tête. Hello. Donc j'ai un temps à tout casser, ok, pendant ça je vais me faire ma session, je vais vous tiver, ah bah kiff. Oh merde. C'est fait pour ça, hein, j'ai réussi à me faire motiver, si je peux motiver d'autres, c'est tant mieux, hein. Mais attends, je suis con, qu'est-ce que j'ai fait? Non, Y.
Par quoi labo pendant un... Ouais, mais je veux bien aller au Monori. C'est l'objectif, ouais, je veux. But where though? Je veux pas, je veux pas. Je peux overread. C'est nul. Non. Non, mais y'a rien. Je loupe un truc là. Je loupe un truc. C'est pas grave. Tu peux pas manger comme le maître d'armes, moi ça me rassure déjà un peu plus de continuer. Non, mais tu peux manger, vraiment, tu peux manger. Tu peux manger à ta faim, c'est juste que bah, tu vas manger pas gras et tu vas pas manger ni sucré ni trop salé quoi. Voir si t'es déter, pas du tout. Quand je serai grand, je voudrais être comme Rory Yader. Ah, moi j'ai encore la maxi beden, hein. J'ai encore le bon bid. La bonne bidoche à binouze. Mais attends, mais. Ah, bah non. Ah, d'accord, ok. Je suis con. The Big Doom. Oh putain, un crossover entre Russian et moi. Arrête. J'ai même pas envie d'y penser. Je crois que ça créerait l'homme le plus chiant du monde. Fuck off, bitch! Fuck you in the fucking ass, bitch! Fuck off! Où faut que j'aille? Où faut que j'aille? Non! Putain! Putain, il a arrêté la porte, le chacal! Bon, ok. Ouais, forcément, tu fais une shot. J'ai pas d'armes hein, dans le jeu, j'ai pas du tout. Ma seule arme, c'est mes jambes. Eh, vu que je suis une femme, c'est bon, c'est bon. C'est accepté, le VAR accepte, c'est bon, c'est dans les buts. Bon, allez. Mais en plus, ces enculés, ils tracent de ouf, vraiment. Hein. Ça s'est fermé? Ok, ça s'est fermé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que plaît-il? Non, non, celui-là, c'est Usain Bolt, hein, clairement. Il tape ses meilleurs sprints, ce bâtard. Hein. Tout est fermé. Super. Oh. Ouais, bon, c'est un peu... Personne ne court comme ça dans la vraie vie, hein. Vraiment. Let's go. Faut manger des graines jusqu'à ma mort, je préfère encore être malsain. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Quand tu es tout droit, nous avons rétabli le Nounraï, briser la quarantaine. Et puis je vais te briser tout ce qu'il y a dedans, mon pote. Tu vois, celui-là, il est trop stylé, là. Je veux ça chez moi, vraiment. Que quelqu'un fasse ça. Et il l'envoie à mon adresse. A ball. Pépé qui manque confiance. Ouais, non, non, clairement. Coucou. Je dis coucou à des gens qui n'existent pas, hein, clairement. On part sur une folie pure. Non, on aime ça. On aime ça, la folie. Te souviens-tu de Far Cry 3? Donc c'est bien des gens du passé. Ok. Peut-être t'en as un truc à ton adresse, ça va être spam de God. Ouais, enfin, surtout que j'ai une petite boîte aux lettres, alors... Tirer le levier pour enlever le wagon, évacuer. Le wagon. J'active le wagon. Des photos de bites. Pourquoi tu m'enverras des photos de bites à mon adresse? Coucou, Popo. C'est bizarre, t'arrives pile au moment où je voulais faire une blague sur les Belges. Genre, vraiment, hein. Genre, j'en cherchais une et là, t'as pop. Tu es fort. Mais respect. Gentleman. Comment ça, Poupou? T'as déjà photo de bille sur Facebook, donc je n'ai pas connu ce temps-là. De quoi tu parles? Je suis... Je ne suis pas de partie de ce gang. Laissez-moi tranquille. Tous. C'est le bad signal qui m'a prévenu. Oh, la chance. Putain, il a un bad signal. Oh, je suis vraiment trop jaloux. Moi aussi, je veux un bad signal, là. Vas-y. Ouais. Moi, je veux qu'on m'appelle. Je lui ai du coup. C'est-à-dire que Popo, c'est une blague. T'as déjà un bad signal. Lequel? Lesquels? Qu'est-ce? De quoi parle-t-on? T'as pas le Mime Prince pour rien, rappelle-toi.
La prochaine annonce de stream que je ferai, t'inquiète, j'aurai des bons. J'aurai un bon mime. Alors ça arrive d'avoir un petit letdown. Putain. Genre j'ai pas le droit. Genre je suis obligé d'être au top. Chapitre 9. La voix d'Ares. Let's go. D'accord, je ne regarderai jamais cette photo, Hoffman. Oh là là. Mais c'est la merde, dis-moi. Le mec n'a pas besoin de... Ouais, non, non, mais... Ouais, ils ont... Donc, tous ceux qu'ils ont fui sont morts. Et ce crâne est super. J'aime bien, j'aime beaucoup. Par contre, c'est la merde. Oui, il dégoûte. Fais éviter d'en parler aux fans, s'il te plaît. On peut changer de sujet, genre... je sais pas, moi... Que penses-tu de Twitch et Artifact? Tiens, voilà, boum, allez, sujet. Ok. C'est quand les gens stylés dehors. Ah, ouais, toi tu t'es fait manger le buste. Arti quoi? Non. Oui, tu sais le jeu de cartes qui n'a pas marché. Diadar, aimes-tu les tartes maroilles? J'adore les tartes maroilles. J'en ai rarement mangé, mais j'adore ça. Très bon la tarte maroilles. Alors tu pues de la gueule sur 6 ans, mais c'est très bon. Bon, une feuille vers l'oblivion, c'est relou. Bah, j'espère pas, j'aimerais bien lui niquer sa bière à ce bâtard. Fils de chien là. Ah quand même. Monsieur Voigrand, objet très très phallique. Coucou Fufu, comment ça va mon gros légume? Ma grosse Batavia. Et Dark a pensé de la Palestine. Que c'est un pays beaucoup trop petit. Fuck Israël. J'ai pas fini. Tu sais pas ce que j'allais dire. Peut-être que j'allais dire fuck. Ça va, j'ai bon goût. Oui, et en vinaigrette, t'es encore meilleur. C'est super moins érotique d'un coup, j'ai envie d'arrêter. Non, je me suis arrêté au isri. Ah, tu sais, ben voilà, néologisme, isri. Bon. Non mais du coup vous avez pas... si je crois que tout le monde a dû voir quand même, vu que ça a été posté sur le Discord, le bordel qu'il y a eu avec Twitch et Artifact. Des gens qui passaient... merde, j'allais dire Marky Mark. Hardcore Henry, Avengers Endgame, sur le salon d'Artifact. Enfin sur le stream d'Artifact ou du porn. Ouais. J'ai cherché pour rigoler. Il y a 2 jours, je crois, je suis tombé sur du porno dégueulasse de Fury, j'ai un peu vomi. Du coup, tout ça est vrai. Non, le pire, c'est quand même le dev Twitch... le dev. Ah, attends, c'est important, ça. C'est vous, Nicolas? Non, c'est pas Nicolas. Tiens. C'est un king que comme un autre, hein, Poléon, hein. Faut pas juger. Je viens de voir, tu pars encore, j'ai super. Je te nique. Du coup, j'entends rien. Ah, du coup, je disais le truc qui est vraiment. Qui est vraiment comique, c'est qu'il y a un modo Twitch qui a été pris plus ou moins en flagrant délit, tu vois, sur une chaîne qui passait un bon gros boulard
et qui était pas ban, quoi. Du coup, c'est voilà, ce site il se trash, j'ai envie de te dire. Badez pas la chaîne quand même. mais faut. Ah, oui. Non? Non, ok. Pourquoi tu ne me comprends pas? Eh, il a le droit de pas comprendre, hein. Ça fout des curements dans un tub aussi, mais je peux juger. Il y en a qui aiment bien les pieds, il y en a qui aiment bien les gigatétés dessinés par des mecs. C'est tout, voilà. Il en faut pour tous les goûts. D'ailleurs, les plus grands... Ah, bah c'est là, il faut aller. Les plus grands, enfin les plus grands. Certains... comment on appelle les gens du Zipangu qui dessinent des mangas. Ouais, c'est raciste, ouais, je sais. Ouais, je m'en fous. Des mangaka, voilà. Certains mangaka qui, avant de passer... à leur plus grand projet connu de tous les plus grands normies et whip de cette terre, faisaient du porno avant. Hein. Voilà, ils se sont entraînés, tu vois, ils se font la main. Même Modo qui pourra approuver son... Non, c'est probablement un Modo, un gros... C'est probablement un gros cuck qui banne pas les chaînes de meufs qui font plus ou moins du chaturbait légal. Ouais, je suis vénère. Ouais, j'aime pas. Ouais, je sais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'être haineux, ok? C'est moi qui fais ce qu'il veut. Non, c'est... Non, non, non. Oh putain, mec, s'il y a quelqu'un de LMF qui devient Modo Twitch... Oh, mais... Cash money, mon pote. Cash money. J'aime pas comment on devient un Modo Twitch, wesh. Pour moi, ils ont toujours existé, genre... ils sont... C'est des IA dans Twitch. Tu veux du gigatété de la tentacule dans le lion, tu t'as big tits bad dragon? Et t'es servi. Pas forcément, non. Oh non, t'auras pas de tentacules avec des bats de dragon, dis donc. T'auras plein de trucs dégueu, par contre, ça c'est sûr. Et pas marrant non plus, hein. Non, parce que ça va faire la taille de bats de baseball. Du porno pour gagner de l'argent et ensuite l'anime normal, un grand classique. Ah, ça... Non, même pas, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, hein, pseudo, surtout pour se faire la main sur leur dessin, tu vois. Vu que là-bas, leur entreprise, les mangakas, c'est littéralement de l'esclavage. La moitié sont en surmenage persistant pour pas tomber dans l'oubli. Du coup, oui, oui, bah oui, haha, blague peignienne. Mec, j'ai vu une meuf. Coca. D'accord, Hoffman. On va pas en discuter plus longtemps, Hoffman. J'ai vu aussi. C'est dégueulasse. Sinon, vous aimez bien le jeu. Faire des mangas jetables à la chaîne, ça va être chaud. Bah non, bah c'est sûr. C'est même pas des mangas jetables, hein, le truc Gametalic. C'est que, en fait, vu que eux... Qui est Baniophone? Ah, c'est pas... vu que eux, ils sortent un tome par semaine, ils sont censés sortir un tome par semaine, bah... et que leurs tomes, en fait, ils sont classés par un ordre de visibilité et de... je change en même temps. Et de... Enfin, de visibilité et de popularité. Dès que le tome, il est plus populaire, ils sont littéralement à la rue, les mecs. Ils disent, nique ta mère, dégage. Pour les plus populaires, et c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que c'est horrible d'être un mangakin. Faut que je modèse constamment sur le ménage, même chômeur. Oui, bah, mais non, mais... Oui, c'est vrai que les Japonais, c'est un petit peu des gueudins dans leur tête. Oh, putain, c'est la merde. Je me bouge. Après, bon, les mangaka aussi, ils en ont à me faire un... Parce que... Oui, bah oui, non mais... Oui, c'est sûr, quand tu t'appelles l'écrivain de One Piece, ouais, tu m'as dans le falzar, quoi. Mais je parle de ceux qui n'ont pas trop le choix, quoi. Ceux qui sont connus, mais qui n'ont quand même pas trop le choix, tu vois. Haha. Fuck off, let me pass. Please, let me pass. Please. Ah, oh, ah, I. Ok. Bord de la dépression, bord du chômage. L'un va avec l'autre. C'est vrai que je peux blairer la culture japonaise. Mais là, c'est pas la culture japonaise, c'est la culture du travail. Ouais, leur culture du travail, elle est horrible, hein. Vraiment, c'est pour ta gueule, c'est que ça. C'est pas une vie, hein. C'est horrible, c'est dégueulasse. Mais leur culture, en général, elle est très... Ah si, elle est très raciste aussi, mais... Oh putain. Mais sinon, elle est bien, leur culture, moi j'aime bien. Quel bâtard. Il fait ce qu'il veut de moi, là. Je suis sa chose, et j'aime pas beaucoup.
la pop culture japonaise. Je ne connais pas la pop culture japonaise, c'est vraiment, je m'en bats les couilles. Oh putain. Oh, je suis mort. Je suis mort. Oh putain. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Oh là là, je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Il peut pas me suivre là. Bah tout va bien non. C'est quoi ça? Un plan de temps, un plan de temps. Putain mais c'est n'importe quoi leur plan. Alors ces animés, les mangas, la musique et tout. Ouais non mais... Ouais, moi j'y connais pas. C'est... Après, je m'intéresse... Le seul truc que je m'intéresse c'est les Yakuza, tu sais. Donc bon... Après, bon... Et quand je dis Yakuza, je parle pas des jeux, hein. Ah si, quand même, un peu. Non, après, j'aime beaucoup leur cinéma aussi, mais c'est tout, quoi. Enfin, Kelda, il est pas là, mais moi, la pop jap, je peux pas. Hein. À part, putain, à part Girl Generation, c'est dégueu. Hein. Tout le reste, ça trash. Genre les BTS ou quoi, mange tes morts s'il te plaît. Pfff. Le métal japonais c'est dégueulasse. Oh, ah oui, oui. Ouh. Oh, j'espère que tu l'as pris dans le crâne, sale chien. J'arrive. J'arrive. Le fameux métal avec de l'autotune. Ah, ah, dis donc, mais non, mais ça va pas ensemble, l'autotune. Mais dis donc, l'autotune, ça sert, mais pas dedans. Nani. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est bon, on monte. Ah. Putain, faut un bac plus 6 pour son putain d'ascenseur, là. Ah, d'accord, c'est une énigme. Ok, j'ai. Ok, ok, j'ai. Ok, j'ai. Ok, j'ai. Aubrey s'est fait virer. Aubrey s'est fait licencier, ouais. Yayit! Mais la tétine, c'est pas un mal en soi, mais le fait qu'il le gère très très mal. Ouais, c'est... Non, mais c'est ça ce que je dis. Bah. Quoi? Pas le problème. J'ai... C'est bon? Ah, c'est bon. C'est juste qu'il faut bien savoir le gérer, quoi. Et c'est pour ça que, et je m'en bats les couilles de ce que vous allez dire, fight me. Mais non, mais attends, je suis... Je vais m'aller là. Ah mais non, ça, ça, ça. C'est pour ça que le dernier album de PNL est aussi bien, parce que ils gèrent leur autotune. Ils gèrent très très bien, en plus de gérer leurs textes et leurs instrus, ils gèrent l'autotune parfaitement bien, et c'est génial à écouter. Pas comme à leur début où c'était éclaté et dégueulasse. Je veux le remix Nightcore de métal japonais avec de l'autotune. Tu veux pas plutôt prendre un petit peu de crack. Franchement, ah la chute d'Icar. Tiens, 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 référence. C'est moi par Vivaldi. Déjà on dit Vivendi. Mm-hmm. She's fucking ready to kill. On dit vive lundi. Non, on dit vive le lundi oldie. Trademark. Réparer le paradoxe? C'est pas possible. On peut pas réparer les paradoxes. De quoi, enfin, bah, je voulais explorer un peu avant, mais j'ai pas le droit. Si, je peux. Ok. D'ailleurs, en parlant de tuer des gens. Non, j'ai tué personne. Raccroche ce téléphone. Je me suis maté cet après-midi, tu vois. J'ai un petit peu déconnecté mon cerveau. Je me suis rematé Shooter Tireur d'élite. Avec Marky Mark et Michael Peña. Et puis c'était bien. C'est quand même cool les la conspiration américaine. Hein. Ça passe des bons, ça fait passer des bons moments. Tout vert. J'ai pas dit qu'il était bon, hein. En tout cas, il est bien. Il colorie. Enfin, pas colorie, mais il se regarde, quoi. Ça fait du bien. Ok, j'arrive, bouge pas, et Nicolas,
Yes, je viens. Putain, il est pas mort le bâtard, je le savais qu'il était pas mort. Faut un TK. Aïe. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait. Il y a un trou, il y a clairement un trou là. Il y en a combien de couteaux? Bon, bah, au revoir au Bray, hein. Bon, j'ai payé ma vengeance, c'est dommage. Casse les couilles, sale chien, je vais te niquer. Allez, retire ça là. Allez. Mais non, mais garde-le. Ah, ça doit niquer un peu. Mais non, Nicolas, il est gentil. C'est complètement stylé. Hein. Oh, trop stylé! Bon, ça va, il s'est repenti, Aubrey. Arrête. Mais non, il va se suicider. Mais non. Mais Nikola Tesla was the real MVP all along. Fuck off. Ah putain, il fume encore. Et toi, bah, va niquer, t'es mort. Sale chien. Y'en a récupéré là. Y'a choisi double face. Ou Freddy, ça dépend. T'en action, mais quelle conne. Eh, c'est un jeu d'horreur hein, quand même. Enfin, un petit peu. Oh, c'est dommage, mais non, je veux pas qu'il meure, Nikola Tesla, moi. Go, Rob. You've got to go. Mais non, vraiment pas. Ça marche plus, hein. Je suis plus aussi naïf que quand j'avais 10 ans, hein. Tout va bien se passer, c'est un mensonge, hein. C'est quelle porte? Oh. Oh. Oh, mais c'est pas des bonnes nouvelles, tout ça. C'est le bordel, hein. Il y a des... Oh, ça vibre. Il y a des parties... Ah, ça explose aussi. Et les particules de temps, c'est le chaos. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Putain, c'est la scène dans le prochain Fast and Furious. Aïe aïe aïe. Oh, oh là, ouf. Rose, are you okay? Get up, Rose. You have to run. The tower is about to fall. You need to move. Ah bah là, tu m'étonnes. Oh là là, ouais, bah ouais, tu m'étonnes qu'il faut que je cours. Don't worry about me. Just go, Rose. Go. Just keep running forward. Oh là là, ok, c'est la giga merde. Ok, c'est la magie merde, c'est la magie merde. C'est pas le moment. Oh, ils sont très très pauvres. Des proches. Oh, ça merde la pute. Non, je suis obligé. Oh, j'aime pas me bloquer le cul. Oh putain, il est juste derrière. Bah, ça se fane à se faire quoi? Oh, où je vais? Là-bas. Oh putain, je vais mourir. Eh, tu es entre vous. Ah. Tu me suis pas, hein? Putain, il me suit. Oh shit! Cours, Edir, cours! Est-ce que je peux le finir? Est-ce que je peux... Suck my big penis. Tu vois ta tête? Ils sont dégueulasses, ces êtres du temps. Voilà, si vous savez pas, c'est des êtres créés à cause du truc à particules de temps et qui sont venus remettre les choses en ordre. Et c'est dégueulasse. Salut Est-ce qu'elle aura mis comme ça, poto? Il a perdu le fil. Bah là, c'est bon pour le cardio, ça rejoint ce qu'on disait sur le port. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas bon le cardio. Hein. C'est si tu peux l'éviter, évite. Hein. Après, quand tu deviens vieux, bon, c'est peut-être un peu mieux, mais. C'est Nikola Tesla après tout. Pfff.
Ok, bah let's go. Explosion ex machina. Bah non. Bah non, ça a été prévu quand même. C'est pas Explosion ex machina, pas trop. Oh là là. Oh là là, j'aime pas l'électricité, dit ta mère. Ouais. J'aimerais bien monter par les escaliers en fait. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Bah non, l'électricité ça brûle. C'est des patates sèches, c'est des grosses patates sèches. Il y a un timing, il y a un truc qui est désactivé. Serais-je débile? Ah, il y a un truc qui est désactivé, j'imagine. Ouais. Hop. Ah ouais, oui, maintenant je suis au courant. Badoum, tsu, comme on dit. Éteint. Non? Pourquoi c'est les rallumes, je crois. Je comprends pas ce qui se passe. C'est un stand. J'aurais bien aimé. Il y a un ordre, je... Il y en a d'autres à désactiver. Ah. Ok, il y a un ordre. Oh putain, le truc chiant. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et là. Donc celui-là en premier pour l'instant. Fuck! Aïe! Il reste pas enclenché. Ah, Tesla qui casse les couilles! Putain d'inventeur de merde! Ah, il a bien fait de se faire enculer par Addison! Ah, on fait des blagues intelligentes à la Mégaforge des fois! Hein. S'il te plaît, sois le troisième! S'il te plaît, je t'en supplie! Yes! Oh là là, en plus ça explose de partout! Aïe aïe aïe, ok. Et boum. Est-ce bon? Ok. Je prends. Franchement, je prends. Qu'est-ce que c'est? Oh. Je comprends pas. je suis émerveillé, mais je comprends pas. Ouh, il y a des grands brûlés là-bas. Ouf. J'aimerais pas être à leur place. Ah non, c'est des plantes. Oui, bah, j'aimerais pas être à leur place non plus. Ah. Ah. Je sais pas. Vision du passé. Dis-nous tout. Ah, là-bas, non. Ouais, c'est ça, j'imagine. Y'a pas des documents, 8F? Vas-y, montre-moi la vision du passé. Ah, document. Non, c'est pas ce qui. Ok, c'est juste lui qui galère. C'est pas peur comme ça, poto. Bon, ça va. Petit stream pour manger, bon appétit. Bon appétit. Que manges-tu ce soir, mon bon ami? Ah! On ira au Kazakhstan en vacances! Yeah! Super, j'ai hâte! Du désespoir. Je vais me faire du curé avec sauce à grandouce et quelques tomates, je pense. Eh bé, délicieux. Même si j'aime pas les tomates. Ok, j'explore pas. Fuyons. Il est complètement stylé son sous-marin, hein, vraiment. Hein. Il est giga stylé. Non, j'aime pas les tomates. T'appuies sur le bouton et tu pries pour que ça marche. Oh là là, ouais, non mais vite quand même. Hein. Quittons la verre d'un cliffeux. Putain, attention, on y... 3G dans la gueule.
Je veux mourir, vas-y, Tariq. Ah, mais ça m'a propulsé en fait! Pardon, je crie, je hurle. J'étais tellement sur le cul, ça m'a. J'ai hurlé. Ça m'a. Ça. Un canon! Oh, tu fais n'importe quoi, Nicolas. Sérieux, hein. Tu le rends encore ça dans la suite. Putain, mais là, mon gars. Oh. Oh, oh, oh! Scénaristiquement, scénario! Petite musique qui fait fébrir un petit peu. Fébrir un petit peu les brilles. Qu'est-ce qu'on va pour Rapture? Miss Archer, is the research safe? How did... Sûr qu'il est, il est invulnérable. Yes. On a peut-être un Big Daddy. Peut-être. Prochain streamer. I understand it now. They hold the keys to everything. We can bring her back. Tu le vois taper son meilleur crawl à côté, tu sais, à Nicolas. Il arrive, et bah, ça va, tranquille. Mais comment t'es encore en vie par contre? Tu peux me dire? Mais ok. Eh bien c'était bien. J'ai beaucoup aimé le... Merde. Ah, on peut se moquer, il y a des noms italiens là. Si vous voulez, faut y aller. Ah, t'as raté la fin, Hoffman. Putain, il y a de la musique! Ouais, ouais, Viper, il restait que 3 chapitres. Hein. C'est pour ça. Non, pas déception sur moi, pseudo, j'ai bien aimé, moi il était cool. Mais là c'était c'est pour le finir, tu vois, là, il me restait 3 chapitres la semaine dernière et je pouvais pas les finir le soir, j'étais fatigué, il était tard. Du coup j'ai fini aujourd'hui. Je me sens confus. Ah y'a la rediff hein. Non Hoffman, on finit un autre jeu. Mais je vous laisse le générique quand même. À part si vous voulez pas. Un jour Viper, un jour. Non, je vais faire observation. Putain, vous suivez pas mes streams, bande d'enculé là. Non, je vous aime. Elle est bien la track. Bon, du coup, gros bisous là, le Twitch, ce YouTube. À tout de suite sur une autre rediff, sa mère. Hoffman, t'es PD. Yes. Non, attends, ils sont pas beaucoup, je vais le laisser quand même. Miroir, allez, chier. Ouais, t'es arrivé, ça devrait aller tranquille. Ouais, ça devrait aller mieux là. C'est vrai que je m'étais galéré dans l'espace là. Du coup, je vais couper le stream pour avoir une rediff propre pour observation. Observation. Bon appétit GameTalik. T'es plus pédé que moi de toute façon. Impossible. J'aime bien la musique, j'aime beaucoup la musique. Oh ce vieux PNG dégueulasse. Ils ont mis tous les moyens dans le générique hein, par contre les mecs. Putain, les mecs, ils ont une patte. Colonelli à cuire 12 minutes. Ouais, c'est raciste. Ouais, je sais. Tu vas faire quoi? Hein? Te plaindre peut-être? Pas à nous. Pas à nous, s'il te plaît. J'approuve. Voilà. Eduardo del Rio Luna. Putain. Et que le dernier ferme la porte. Ok. Je peux... Ok. Il y a Martial Leminou en VF. Ah. Je sais pas qui. C'est qui Martial Leminou? Le premier qui dit il mange des chats, je le banne. Vraiment, hein. Franchement. Hein. Je te nique ta mère. Maintenant, je vais quitter, couper le stream et relancer direct. Bûche pas. Hop. À tout de suite.